Amela melenge sheka kalolo shach ke tatune ke kale ngo NP ka c'est triste parce que nos parents sont pas à côté de nous pour nous motiver et ben malo NP an la nange chedi ne yahun kaini ka militaire pour nous remonter un peu le moral. La coutume, la culture, et la convivialité, le respect surtout, parce que ici, c'est pas pareil du tout, hein, les mentalités des gens de la métropole et du pays. Et c'est ça qui manque en fait. Ici, mais je pense que c'est comme ça. Non, pas du tout. En fait, j'étais venue ici pour faire en tant que militaire. Et là, ça fait 5 ans que je suis ici. Je termine mon contrat et après, je rentre à Lifou, comme je suis originaire de la tribu de Mou Lifou. Ah oui, là j'ai hâte, vivement que le temps passe vite, que je puisse retourner chez moi. Hein. Ah oui. Plus la coutume, le respect. La coutume, le respect. Les problèmes quand je suis arrivée ici, c'était plus par rapport au froid, le climat, et par rapport à l'éloignement de la famille et tout, parce que bon, c'est pas pareil que quand on est à la tribu, quand on veut parler à un cousin ou à une cousine, ils sont juste là, on peut se déplacer à pied. Et ici, c'est très très loin. Par exemple, si je vais avoir ma sœur, elle est à Tarbes, donc. Il faut attendre une semaine ou 2 semaines, ça dépend du travail, du boulot, de l'emploi du temps, quoi. Amla enga zone chez la France que particulièrement chez famille, tu as Khatouani, Itanata, mais pour chicken la mele kale. Ce qui me manque ici du pays, ben premièrement déjà c'est la chaleur, le soleil, la famille, et puis le lien qu'on a aussi avec la terre. C'est voilà, c'est ça qui est le plus important, parce que nous, on est Kanak ici, en Occident, mais ce qui fait notre spécificité, c'est notre lien avec la terre, c'est notre culture, et puis voilà, c'est pour ça qu'on est venu ici aussi, c'est pour essayer d'améliorer le pays par rapport à nos compétences. Voilà. Déjà, ça va faire depuis 2001 que je suis ici. Ça va faire à peu près 9 ans, 10 ans que je suis ici. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'avais 16 ans. Et voilà, j'ai sorti du lycée. Et puis, quand je suis arrivé, j'étais en Bretagne. Déjà, la Bretagne, c'est pas. La Bretagne, c'est un. On va dire que c'est un pays en France aussi, parce que la Bretagne aussi, elle a sa culture. Et puis ben, ça m'a fait du bien aussi d'être en Bretagne, parce que les Bretons aussi sont assez proches de leur culture. Ça fait que je n'étais pas trop, on va dire, je n'étais pas trop déraciné. J'étais, par rapport à leur culture, ben, je me suis retrouvé aussi un peu avec
le lien qu'ils ont aussi avec la terre. La chose que je voudrais avoir ici et au pays, ben, c'est juste la famille. La famille et puis aussi, ben aussi mon petit chez moi, quand la petite case et puis la mer surtout. Voilà. Le rapport entre la France et la Kanaky, ben, c'est en train de changer petit à petit. En train de changer parce que voilà, il y a des hommes qui ont lutté pour ça. Et puis que nous, on n'est que le fruit de leur travail. Ça fait que notre devoir, c'est juste de continuer ce qu'ils ont commencé. Et puis peut-être, pourquoi pas un jour, ben, pour pouvoir, pour les générations futures, ben, qu'ils puissent vivre libre aussi là-bas au pays. Qu'ils puissent être reconnus en tant que Kanak, tel que peuple premier là-bas au pays, en Kanaky. Pour moi qui a vécu dans un milieu comme j'ai vécu en brousse à Bouraille, j'ai vécu parmi les Caldoches, les Javanais, les Wallisiens. Et puis ben, déjà pour moi, étant petit, ben, tout ça, ça fait partie déjà de mon environnement. Ça fait que je peux comprendre qu'il y en a certains qui sont voilà, que le pays, c'est, ça nous appartient, ça c'est vrai. Mais voilà, maintenant on est amené à vivre avec d'autres ethnies et puis on peut pas recommencer à zéro parce que voilà, ça, il y a eu des preuves hein, par rapport aux événements, c'est ça qui sont passés, les événements de 84, ben voilà, ça a montré tout ça là, les difficultés entre les ethnies. Et puis ben, maintenant on est amené à vivre ensemble. C'est ce qu'ils appellent voilà, le destin commun, mais déjà le destin commun. Enfin, je sais pas, pour moi, personnellement, je pense que le destin commun, c'est, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi, enfin, c'est un sujet assez compliqué, le destin commun. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas trop dire, quoi, devant la caméra. Hein. Mais c'est de la pensée. La plupart des Kanaks qui sont ici, quand ils arrivent ici, ben, y a les étudiants, il y a les familles qui viennent pour les études, il y a les militaires. Sinon, moi, je connais des grands frères qui, ben, comme le grand frère qui était venu tout à l'heure, là, Nakoué, ben, lui, il travaille dans le bâtiment. Il y a un oncle aussi ben, qui travaille dans le journalisme. Mais là, petit à petit aussi, la jeunesse kanak, elle commence à se professionnaliser dans tous les domaines. Et puis, ben, c'est ce qui va faire l'avenir du pays, quoi. C'est pour ça qu'on est ici. Je suis venu à la maison quand j'ai quitté la Djehu à Rochelet. Je suis venu à Rochelet en 1995. 15 ans à Mélékélé, France. On a mis dans plusieurs villes ici en France. C'est qu'on a mêlé Paris en tant que je suis dans la fonction publique. Et oui, 15 ans je suis ici. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Moi, ce que je voulais dire en Lifou, c'est qu'il y a, j'ai eu, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Le fait d'être ici en France, ne serait-ce que déjà, on va commencer par la température et tout. La culture des gens d'ici, parce qu'on n'a pas la même culture du tout. Les gens ne voient pas du tout la même chose que nous. Et tout ça, il fallait s'y adapter. Parce que moi qui viens d'une île bien perdue en Nouvelle-Calédonie, c'est pas du tout facile. Il fallait s'y adapter. Le fait qu'on soit déjà loin de nos familles et tout, être ici, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ne serait-ce qu'au point de vue matériel. Ici, au niveau matériel, ben, on a accès à beaucoup de choses, aux formations, à plein de choses. C'est facile d'avoir une voiture ici, c'est facile d'avoir ce qu'on peut à manger. Avec peu d'argent, tu peux trouver à manger ici. Mais à côté de ça, les gens ne pensent pas comme nous. C'est aussi difficile. Il ne faut pas croire que être ici en France, c'est facile. Ben,
Je suis avec mes parents. Je suis parce que je suis venu à la formation. Je suis venu formation à Angers. Je voulais dire que mon père, je suis arrivé ici, je suis avec mes parents. Mon père qui est venu ici à Angers pour faire une formation à Angers, une formation de sciences de l'éducation. Alors, sous Pénélé, on a mêlé avec la France, on a continué à mêler parce qu'on a créé Houlois. J'ai dû passer mon bac ici. Je suis rentré dans la fonction publique, je suis policier ici. Ça va faire bien 6 ans, l'année à Houlois, on est police. 5 ans ici, quelques années en CRS à Lyon. Et là, on a Houlois avec la Paris depuis 5 ans, dans toute une moitié de Paris. Et. Je suis allé à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison la maison de 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 la maison important. Moi, ce que je voulais dire en Lifou, c'est que la vie ici en France, le fait de vivre ici en France, l'argent, c'est vachement important. C'est important pour les gens ici. Des fois, on se demande pourquoi les gens ils stressent ici à Paris, dans des grandes villes. Mais parce qu'il faut avoir l'argent. Ici, pour avoir l'argent, il faut avoir un boulot. Alors quand tu n'as pas de boulot, tu n'es pas du tout classé dans un classement social, on ne te reconnaît pas. Voilà, c'est un peu ça qui a dû changer dans ma manière de voir les choses. Mais Nadei Machatien, Abiakaro Kaldoni, tous les ans je reviens avec Kaldoni. Manana Khwada, c'est que Amlamani est important. Amékela, quand tu es SML, ville Katouname, c'est que Amlamani est important, Amlahoulou est important. Je suis stressé, c'est parce que je suis stressé, c'est parce que je suis stressé. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ici en France, ne serait-ce qu'ici à Paris, moi je parle de ça parce que je suis ici à Paris, le fait de vivre ici, vivre ici, ce que je voulais dire, c'est que l'argent est important. Les gens, ils stressent parce qu'il faut avoir de l'argent. Et avoir de l'argent, c'est mieux bien vivre. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas cette manière de voir les choses. L'argent, c'est une chose parmi tant d'autres, comme une chaussure, comme un pantalon, comme... C'est pas un truc qui va nous stresser. Voilà, pour répondre un peu à ta question, c'est un peu aussi... voilà, les réponses. Vive la Calabrie ! Kanaki ! Tambouille ! Au revoir ! Eh bien, Nimou et Weke. Nimou et Weke, comme mon cognier, je laisse. Le fait... La chachine, la chachine, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, ce qui me manque beaucoup ici, pour être plus près de ma culture et tout, un truc simple, c'est la bouffe. Le fait de manger. Bougna. Un bougna, c'est quelque chose qui nous rassemble. C'est quelque chose. Alors, quand tu es tout seul dans ton appartement, face de ta télé et quoi que ce soit, tu n'as pas le choix que de manger des pâtes. C'est un truc préparé en 2-3 minutes. Il y a aussi une chose qui nous manque ici, surtout nous, ici par exemple, on est tous venus pour un match de foot. C'est le seul moment où on peut se rassembler. Et moi, ce qui nous manque, la plupart de ceux qui sont là, ce sont des jeunes. Et nous, ce qui nous manque ici, c'est la parole de nos vieux, de nos anciens, pour nous remettre un petit peu quelquefois dans le. Pas dans le bon chemin, mais pour nous rappeler que faites attention. Vous aidez Canin, que vous ne devez ne pas oublier votre culture, votre tradition. C'est important pour un Canin de vivre avec son identité. Premièrement, je m'appelle Julius, je viens de la Nouvelle-Calédonie, c'est de l'île des Pins. Nouméa, il fait plus chaud, puis ici, il fait froid. Et puis c'est chaud. Si la Kanaky par rapport à l'Europe, c'est drôle parce que l'Europe, il fait froid, la Kanaky, il fait chaud. Là-bas, c'est la race la plus dangereuse.
Canada a gagné. Ici, c'est trop joli le terrain. Il y a au moins 6-7. Et puis en Calédonie, il n'y a qu'un terrain. On ne peut pas rentrer. Il y a des problèmes parce qu'il y a de la délinquance là-bas. On ne peut pas bien. On peut pas rentrer dans les terrains. Puis on a des problèmes avec les responsables du terrain. Et si on veut jouer, ben eux ils veulent pas parce que ils sont jaloux ils sont jaloux parce que ils t'appellent Chico parce que nous on part en France on va aller à Barcelone quand plus et eux ils veulent pas donner de terrain. Je m'appelle Philippe et ici en métropole il y a beaucoup plus de bâtiments. Et puis, les bâtiments, ils sont grands. Et puis, il fait froid. Et puis, à Nouvelle-Calédonie, c'est très, très chaud. Et puis, ici, on mange bien. Et puis, à Nouvelle-Calédonie, on mange bien, mais... c'est moins cher. C'est cher. C'est tout. Moi, je m'appelle Dylan. Puis là, on va faire un match contre un petit club de Saint-Denis. Puis ici, ça change. C'est pas comme en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il fait chaud. Il y a beaucoup de soleil. Ici, c'est rare qu'on voit du soleil. Puis il fait froid. Puis ici, on peut pas baigner à la mer comme là-bas ou à la rivière. Comme ici, je sais pas s'il y a des rivières, mais il y a plus de cités que la mer, tout ça, que des tribus, des villages, tout ça, pas comme à Nouméa. Puis ici, la vie, elle est pas chère, puis à Nouméa, si, elle est très, très chère. Sur mon pays, là-bas, il fait très, très chaud, puis ici, il fait froid. Puis ici, les trucs ici, c'est moins cher qu'à Nouméa, c'est plus cher, c'est dans c'est plus cher qu'ici, puis... là-bas, à Nouméa, y a pas trop de villes, y a plein de villes, puis en France, il n'y a pas trop de villes. Puis ici, il y a plein de vallées, il y a tout. À Nouméa, c'est pas pareil, il n'y a pas. Puis dès qu'on vient ici, dès qu'on est le soir ici, à Nouméa, on est le jour. Puis dès qu'on est le jour ici, à Nouméa, c'est le soir. Ici, les gens sont pressés. Quand on demande quelque chose à eux, des informations, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pressés. Quand on monte dans les métros, ils sont pressés, ils vont dans les cars, les métros, ils roulent, ils vont vite. On n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps de rentrer. Et puis, même quand on prend les tickets, tout ça, le monsieur, il nous explique mal. Puis, quand nous, on est en groupe, il ne veut pas faire un prix moins cher pour que nous, on prenne les tickets. Puis il y a des autres gens aussi qui sautent par la barrière pour aller l'autre côté pour prendre le train. Ici, un paquet de bonbons, c'est 1 euro. Puis là-bas, c'est peut-être un paquet de bonbons que nous, on veut ici. Là-bas, à Nouméa, il est à 400, 300 francs. Il est deux fois plus cher qu'ici. C'est pour ça, ici, c'est moins cher. Ce que j'ai remarqué aussi, là-bas, en Calédonie, les SDF, eux, l'enclos, ils sont riches. Ils sont riches, mais ici, là, les SDF ici, ils fouillent dans les poubelles. Dans le froid. Et puis, il y a le froid. Puis, ils n'ont pas de linge. Et ils dorment dehors. Et ils dorment dans le froid. Ils dorment là où il y a les métros, tout ça. Ils dorment avec les cartons. Et ici, s'il y a quelqu'un qui vole, c'est chacun pour soi. Mais en Calédonie, s'il y a quelqu'un qui vole, tout le monde va l'arrêter. Oui, tout le monde, mais pas... ici, là, quand il y a quelqu'un qui vole une femme, ils vont laisser. C'est chacun pour soi. C'est comme notre coach il dit, c'est ni vie ni connue. S'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, il y a personne qui... Chacun pour soi, il n'y a pas tous. C'est personne qui sait qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est la Calédonie, parce qu'en France, si un jour on n'a plus maison, on n'a plus rien, on n'a plus une pièce, après on va visiter, après il va faire froid ici, mais en Nouvelle-Calédonie, on va faire chaud et on aura de la chance. En France, il y a plus d'Africains, de ceux qui viennent de l'Inde. Puis en Nouméa, il y a plein de gens des îles, des îles, des pays.
Voilà. Ici en France, c'est moins cher. En Nouvelle-Calédonie, ben, c'est cher. Et ici en France, c'est on travaille mieux ici parce que ici il fait froid. Et en Nouvelle-Calédonie, il fait chaud et puis c'est dur à travailler quand on construit des immeubles. Et la vie ici, elle est aussi comme la Nouvelle-Calédonie. Et ben voilà. Il y a beaucoup de monde qui passe. Comparé à la Nouvelle-Calédonie, les dimanches, ben, il n'y a personne en ville. Et ici en France, il y a plusieurs personnes. En Nouvelle-Calédonie, c'est rare de voir des gens assis et demander des pièces. Et ici en France, ben, y a beaucoup de monde qui demandent des pièces et sont assis quelquefois par terre avec des cartons, tout ça. Ici en France, il y a beaucoup de monde africain, tout ça. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu rare, des races pareilles comme ça. Et puis là-bas, il n'y a que des gens de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Eh bien voilà, moi c'est Zélio. Je suis de la Nouvelle-Calédonie, je dépend de ce pays, cette île du Pacifique. On est à 22 000 km de Paris, un jour d'avion. Nous sommes venus pour faire le Téléthon, une action mondiale, internationale, à travers le ballon rond, joué pour les malades du monde, pour les maladies génétiques. Alors je pense qu'on est venu un groupe avec le milieu de terrain qui est une selfie, Sissi, origine d'Ouvéa. Pas mal de, un peu partout de la grande terre des îles. Et puis moi je pense que le climat, c'est vrai qu'il change, du fait qu'il fait froid. Puis nous on est habitué à être torse nu et tout, et 28-30 degrés. Ce soir on fera un petit match de foot amicalement contre une équipe de Saint-Denis. Bon, voilà, comme j'ai entendu dire que ces petits jeunes jouent bien au football. Alors comme je le disais hier au match que nous avons pu faire, nous on tape le ballon, eux ils jouent au football. Et je pense que voilà, hein, on... Je ne sous-estime pas les deux équipes, mais que le meilleur gagne pour ce petit match amical. Et merci encore à tous les parents qui ont laissé Zélio venir avec leurs enfants de Nouvelle-Calédonie. Et puis je pense qu'on fera un bon match pour ces petits jeunes. Et puis c'est, comme je dis, c'est, voilà, c'est le moment de faire des connaissances, de partager les cultures, de se jouer, se valoir, de voir ce qu'on peut valoir par rapport à d'autres joueurs. Et je pense que tout se passera bien. En tant que coach, ben, bravo pour Saint-Denis, merci encore de nous accueillir dans leur vestiaire, sur leur terrain. Et puis Boca Junior, à part de Boca Junior, ben, que Dieu bénisse cette équipe de Saint-Denis, ces petits jeunes. Et puis comme on dit chez nous au Brésil, au nom du Père et du Fils, gracias. Vous attendez, après vous tournez.